Alors, on va aller à la mine de Redstone. C'est parti. Let's go. D'inquiétants grondements se font entendre dans les montagnes de la surface. La rumeur dit que les villageois construisent quelque chose d'effrayant en dessous des mines désaffectées, à base de suie, de métal et de feu. Seul un héros comme vous peut descendre dans les profondeurs et découvrir la vérité. Bon, c'est parti. Alors, montre-moi ça. On va essayer les roulades pour voir l'amélioration là que j'ai mis sur Regarde. Hop. Mais c'est que ça marche bien. Wouhou! Même plus besoin de taper les potes. On roule. Allez, tiens. Trop bien. Oh, c'est un spawner. Trop cool. Non, faut pas casser le spawner. On va faire de l'XP. Allez, viens. Viendez les potes. Je touche quand même le spawner. Ça peut être un bon farm à XP ça. Ah oui, d'accord. Il a failli me faire tomber le salaud. J'ai entendu des mineurs. Wow. What the fuck? C'est vrai qu'il court super vite là. Papa. On va manger. Ça a failli vite se régler cette histoire. Ah mais ils travaillent même pas eux-mêmes. Bande d'esclavagistes. Vous êtes des esclavagistes. Laissez ces pauvres villageois. Libère-toi de l'emprise. Aïe, ouais, faut vraiment que je fasse gaffe aux petits chariots là parce qu'ils font sacrément mal. On va se calmer. Ouais. Alors, l'artefact flèche en feu, les gars. Une tuerie monumentale. Ouh. Oh, j'ai bien fait de pas changer mon arbalète. Regardez-moi ça. Arbalète papillon. Ça, c'est quoi? Armure du spédéologue. Le spéléologue. Elle est bien cette arbalète.
Là, elle fait dégâts à distance 13 x 5 parce qu'elle tire 5 flèches à la fois. Là, ça serait qu'une seule flèche alors. C'est ça? Je perds en puissance et je perds en vitesse. Ah! Ah, c'est rude. C'est rude le choix. Le choix est rude. Faut que je prenne le temps de réfléchir. Ah oui, un spawner. Le choix est rude. Faut que je réfléchisse là. Je sais pas trop. Elle est OP parce qu'elle est plus puissante en niveau. Mais on perd quand même sur la... Enfin pas plus puissante, mais elle est plus haut level. Bon, on perd sur la puissance, on perd sur la rapidité et surtout on perd sur le nombre de flèches qui est tiré. Je passe de 5 flèches à 1. Mais je pense que c'est quand même un gros avantage. Même si tu perds en dégâts peut-être, je pense que c'est un avantage d'avoir un... d'avoir ce... ces 5 flèches en fait. Je vais pas trouver le mot que je veux dire, alors je vais pas le chercher. Le rayon d'action. Voilà. Me semble plus intéressant comme ça. Incroyable. Tu vois, il peut difficilement s'en sortir, tu vois. Libérez-vous de l'emprise. Voilà. Vous êtes libre. Moi je la quitte cette arbalète perso. C'est mon gros kiff du moment. Tu peux dire ce que tu veux, elle est trop ouf.
Les niveaux sont longs, ça va. Ça va, ils sont pas excessivement longs. C'est juste que là, je crois que je dois pas être loin du 10 là. Ouais, j'ai passé le 10, donc ça commence à mettre un peu de temps. Mais en soi, de base, ils sont pas extrêmement longs. Hein. Bienvenue. Installe-toi. Hey, oh, il profite pour maltraiter mon chien. Comment ça va? Vous avez vu Mini Vadou, ces petites animations Minecraft. Ah, ça va super, merci. Ah, un boss. Ouais, un boss, un golem. Ah! What the fuck? Eh, hey, tu vas te calmer, mon pote, hein. Tout de suite. Touche pas à mon chien. Oh, toi, mon gars. Victime. Voilà. Tout ce que j'ai à dire, c'est victime. Je te l'ai déjà dit avant, la prochaine fois que tu me sors un boss, sors-moi un vrai boss. Il a quand même réussi à tuer mon chien, hein. Je suis dégoûté. Non, je suis fâché. Par contre, cet artefact là de flèche en feu. Ouais, je kiffe. Je kiffe. Ah bah c'est bon, c'est fini. Oh. Ok, bon bah. Tiens, cadeau. C'était donc vrai. Les villageois construisent une affreuse forge sous la montagne. Ah mais tu l'as déjà poncé le jeu, non? Moi j'ai à peine de le commencer. Il y a la mise à jour qui est sortie en juillet là. Ouais ouais. Et t'as déjà fait la nouvelle. Enfin. Ouais, elle est sortie. T'as déjà fini la mise à jour?